Lille, méchante. Oups. Je vais casser un truc. Ah bah j'ai un seau. Suis-je bête? La corde doit être d'abord enroulée pour que le seau puisse lui être attaché. D'accord. Je fais un peu n'importe quoi. Ça m'a un peu perturbé leur histoire. Il est plein. Leur histoire de je te fais mourir dans la série, t'es coincé et je t'ai persuadé de pouvoir sortir. C'est quand même vachement stressant. Je déteste vraiment toutes ces histoires de chair vivante qui essayent de nous manger. Et... Je m'en doutais. Trouver une clé pour ouvrir la porte menant hors de la zone. Bah dis donc, on a plein de choses à faire. Un orbe pour le sanctuaire intérieur. Mettre l'orbe dans le piédestal. Le mélange pour Agrippa, le tonique, la clé. Bon. C'est parti. Voilà. C'est bon. Alexandre devint silencieux. Il ne savait pas quoi dire. Il ne reconnaissait plus son ami assis sur le carrosse. 18th of August, 1839. Tonight, we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt, there's a small settlement where Zimmermann, a dairy farmer, lives with his wife and three children. We took the coach and went there. Our visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmermann down without alerting the others. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children.
we should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Les pleurs s'étaient arrêtés et il pouvait entendre un murmure provenant de la cellule. Il préparait quelque chose et il devait alors les punir pour ça. Ah, bah les petites roses de Damas, bah là c'est pas de refus. Est-ce que j'ai un truc à faire avec ça? J'ai plus rien là maintenant, puis j'ai tous mes ingrédients. On va rallumer un. Ah non, ça va, il va bien. Je sais pas comment il fait. Il y a des trucs, c'est franchement rien du tout. Il est terrorisé et il y a des trucs franchement horribles comme ça là, ce qui vient de nous arriver. Et... Oh, ça va, j'ai mal de tête. Le château est complètement détruit. Alors on ne pourra jamais ressortir. Ah non, ça suffit. Comme s'il s'écoutait quelque chose. J'ai comme un souci là, je suis un peu coincée moi. Je dois aller là-bas peut-être. On va jamais avoir assez d'huile parce que vous ne voyez rien, mais je vous garantis que je ne vois rien non plus sans ma lanterne. C'est une vraie catastrophe. Je vais essayer de marcher assez vite quand même. Bon, cet endroit a été dévasté par des monstres. Non, à mon avis, c'est par la matière vivante, par l'ombre. C'est l'ombre, hein, la matière vivante aussi. Les monstres et la matière vivante. Donc, désormais, nous avons accès à cet endroit. Je crois qu'il faut s'occuper du sang. Oui, c'était moi. Ah, faut
J'arrête de m'empaler là-dessus, hein. Ça devient vraiment, vraiment pas bien. Qu'est-ce que je dois faire là? C'était pas accessible, ça. C'est ce qu'il a dit. J'aurais dû garder plus d'huile, beaucoup plus d'huile. Pourtant, il y a des passages où on ne voit strictement rien. You did it! Thank goodness! Now, pay attention. First, feed me the tonic, and then use the saw to remove my head. As the tonic begins to run, you'll be able to cut off my head without taking my life. Then, take my head and bring it with you as you enter the gate Alexander is opening in the inner sanctum. What do you mean? Why wouldn't you enter the gate? We can't argue now. You need to act. Alors, je n'ai jamais décapité personne et encore moins pris sa tête. Avec moi. Quickly, off with the head. Agrippa veut voir sa tête si effectivement dit comme ça. Donc on va prendre sa tête. Et on va aller la mettre. Que les actions les plus horribles n'étaient commises que par les personnes les plus horribles, comme Henri Bellulo, le tyran de l'école, mais il venait désormais de se rendre compte de ce qu'il pouvait faire. Oui, parce qu'il avait peur. C'est logique. Ah, j'aime pas.